On va parler de la playlist, et tout particulièrement du stretch. Le stretch et le Z-cross, j'aimerais bien s'il y a des personnes qui savent ce que ça fait, que vous mettez dans les commentaires. Comme ça, je ferai une vidéo sur ce paramètre-là, parce que j'ai pas trouvé à quoi forcément ça sert en fait. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Donc on va passer sur le stretch, donc on va faire que les audioclips, on va passer sur le stretch. Donc si on n'a pas de stretch, en fait, ça va modifier juste la ligne. Alors que si je fais stretch, je fais ça va modifier en fait directement l'audio clip plus ou moins grand. Là, ça va le compresser, là, ça va le décompresser. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires du coup pour le petit Z-Cross pour ceux qui savent à quoi ça sert exactement. Comme ça, je ferai une deuxième vidéo à ce sujet-là. Et au revoir.